Salut à tous, c'est Xana et aujourd'hui, petit départ pour faire 200 km, donc avec une batterie chargée à 100% et avec une température de moins 1 degré. Donc je vais démarrer la voiture, donc annoncer 238 km. Hop, on va mettre le chargeur de suite, donc je vais réinitialiser le compteur A et le compteur B qui me permettrait de changer voilà autonomie totale, donc 278 km. Alors, donc on va lui plafonner. Donc j'ai un itinéraire de, si ça veut bien s'afficher, voilà, 101 km. Vous voyez, 1h34 de route, donc je dois faire l'aller et le retour sans recharger. Voilà, donc la voiture est chargée à 100%. Hop, on va mettre 25 degrés. Je vais mettre mon petit siège chauffant allumé. Voilà, et comme ça vous saurez l'autonomie. Donc, départ bien à froid. Normalement, j'aurais dû préchauffer la voiture en la branchant, mais certains d'entre vous n'ont pas cette possibilité-là. Donc justement, je vais faire cet essai, voir ce que ça donne. Et bien, nous revoici après 100 km. Donc, il me reste un total de 54% et 127 km. Donc, pour 100 km quand même annoncé. On va baisser un peu le chauffage. Voilà. Donc, je suis à plus 1 côté chauffage. J'ai fait donc, vous voyez, 100 km. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Voilà, pour une moyenne de 18 kWh. Et pour un consommé de 18 kWh. Donc voilà. C'est une belle grosse consommation, sachant que j'ai fait beaucoup de villes et de rocades. Donc il faisait moins 1 degré je crois en partant, en arrivant ici un peu à la campagne il fait moins 4 degrés, donc ça fait une bonne consommation. Je devrais avoir justement juste assez pour revenir, mais sachant que je dois revenir que vers 10-11 heures, je ne sais pas quelle sera mon autonomie restante, sachant que ben, je n'ai pas le chauffage là où je suis, du coup je reste dans la voiture avec le chauffage. Donc on se retrouve pour mon départ. Alors, petite suite au sujet de mon arrivée. Donc, je suis arrivé et j'ai rechargé. J'ai pu recharger sur une prise classique. Voilà, j'ai gagné à peu près 8%. Puisque le gars n'est finalement pas arrivé à 8 heures comme prévu, il est arrivé à 11 heures. Donc ça fait que ben, je repars que maintenant. Donc, j'ai rechargé 10%, c'est pas mal. Ça fait 20 km récupérés. Donc ça me permettra de rentrer avec une petite marge, donc sûrement quand je vais arriver il va me dire qu'il va rester 5% ou 10%. Et du coup, on se retrouve pour l'arrivée et le bilan. Et du coup nous voici pour le bilan. Donc il me reste 18% de batterie, soit 44 km. Avec, donc j'ai parcouru, oula, on voit pas grand chose avec ce soleil aujourd'hui, 202 km. Donc une moyenne de 16-17 kW à peu près, 33 consommés, et voilà.